Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Et donc aujourd'hui, on est de retour pour vous jouer un mauvais tour, pour jouer à FIFA 19, les gars. Enfin, de retour pour... Je regarde toujours à droite si tout est enregistré, etc. Alors, on va tout de suite commencer avec l'aventure Champions de Alex Hunter. Vous vous souvenez, on a terminé donc l'année précédente, on va dire. On l'avait terminé on l'avait terminé par rapport putain, en plus il faut télécharger. On avait terminé en fait l'aventure hein, justement il y a quelques semaines. On avait terminé l'aventure de Alex Hunter, ce qu'il y avait l'année passée. Et donc cette année on revient à nouveau avec Alex Hunter pour une nouvelle aventure. J'ai voulu vraiment vous la commencer cette année beaucoup plus tôt, beaucoup plus vite. Et je vais vous dire tout de suite des trucs hein, avant de commencer tout cela. Parce que déjà pour commencer, alors l'aventure cette année de Alex Hunter, je vais vous la ramener pratiquement tous les jours ici sur la chaîne Antexcel. Pas. Je tenais quand même à préciser que tous les jours, ce sera seulement à partir de la sortie officielle de FIFA 19. Le FIFA 19 va sortir le 28 septembre. Donc à partir de là, il va y avoir tous les jours l'aventure d'Alex Hunter. Je tenais quand même à le préciser parce que dans la vidéo, j'avais complètement oublié qu'on n'est pas encore à la sortie officielle. Même si je vois que peut-être ça va pas trop bien fonctionner sur la chaîne, je m'en fous pour vous dire la vérité parce que c'est un mode de jeu sur FIFA que j'adore depuis la première année qu'ils ont sorti ce jeu. Et je vais vous la sortir tous les jours. Pourquoi? Parce que ce jeu, enfin cette modalité, on va dire l'aventure, c'est quelque chose de très long. Et pour la finir, on va dire le plus vite possible, je vous la sors vraiment tous les jours. C'est-à-dire que vous avez tous les jours pratiquement deux vidéos qui vont sortir. Si tout va bien, même 3. Donc vraiment vraiment à fond. Donc vous allez voir, je vais vraiment vous sortir des vidéos à fond. J'espère pouvoir réussir et vous les planifier. Déjà cette année, le truc que je trouve bien, c'est que ils ont mis tout de suite les commentaires en français. Parce que je vous rappelle que l'année passée c'était pas le cas, c'était en anglais. Tout au début c'était en anglais, il n'y avait pas encore la langue française, ni les allemands, ni l'italien, machin chouette, il n'y avait pas tout ça. Que cette année, heureusement, ils ont tout de suite pensé à ça, ils ont tout de suite sorti les commentaires. Je suis en train de les télécharger, on attend la fin de le téléchargement et on revient tout de suite. Nous revoilà, alors j'ai téléchargé le dialogue en français comme vous pouvez le voir et on continue. Putain, je suis excité les gars, enfin l'aventure. Est-ce que vous êtes aussi excité que moi? Si oui, laissez un like. Et en plus cette musique, Habibi, Habibi. Précédemment dans l'aventure. Précédemment. Si tu veux devenir pro, j'ai envie d'applaudir. Tu devrais être consacré au football, tu sais, Alex. Oh putain, ouais. Le voilà, 17 ans seulement, il a déjà décroché ce que certains footballeurs. Vous vous rappelez, hein? Jamais. Je suis plus que prêt, c'est parti. J'adore jouer au football. Je sais rien faire d'autre. Bonne chance pour la nouvelle saison. Merci. J'ai trop excité. C'est pas du tout ce qui s'est passé. On s'est fait avoir. Michael, t'as risqué ma carrière. Vous vous rappelez de ça? Tout ça pour faire rebondir la tienne. Non, c'est pas ça, Alex. C'est quoi alors? Alex, c'est une bonne occasion, fiston. Tu mettrais le feu à la MLS. Vous vous rappelez, on est allé au MLS. On a dû jouer en Los Angeles. On a dû se reprendre en fait. Juste une fois, ok. En fait, c'est bien que je l'ai fait il y a pas longtemps l'aventure, tu vois. On échangera nos maillots. Avec Ronaldo. Qu'est-ce que je peux faire? Oh le capotin, le 4-5-1. T'as assuré sur les terrains. Continue à bien bosser. Te laisse pas griser par notre poteau. Papa? Attends, t'es en train de me dire que c'est ma sœur, Alex? Quand on a rencontré sa sœur, pas que tu joues aussi au foot. Famille. Je me contente de me battre chaque jour juste pour pratiquer le sport que j'aime. Tiens, tiens, tiens. Danny Williams, notre poteau, hein, le meilleur. Celui qu'au début on croyait que c'était un bâtard et qu'en fin de compte est devenu un bon ami. C'est vrai, c'est vrai. Apparemment, il y a plein de grosses écuries européennes qui te font du gringue. L'Atletico, le PSG, le Bayern. Vous vous rappelez qu'on avait pris l'Atletico et on a fini ici, dans cet appel là. L'appel. Qu'est-ce que c'était ce hein, qu'on s'est posé à la fin de la dernière vidéo, si vous avez pas vu la dernière vidéo par rapport à ça, allez la voir, cet appel, qu'est-ce qu'il y a eu dans cet appel? Je me demande, j'espère qu'on va avoir des réponses tout de suite là, parce que là franchement ça me casse les couilles, tu vois.
Où est-ce qu'on est là? Oh là, oh là, qu'est-ce qui se passe? Putain de sa mère, c'est qui ça? Ok, ne me dis pas qu'on va jouer avec son grand-père. Oh putain. Mais oui, on joue avec son grand-père, bordel de merde. Non. Hunter. Walker. T'en fais pas. Jim Hunter, Walker, en fait les deux se sont toujours affrontés, même à l'époque. C'est pas vrai, c'est une blague. Oh la vache, mode ancienne. Qu'est-ce qui se passe là? Wow, la balle. Putain. Ah c'est bien foutu ça mon gars. Ah ouais, ah là il l'a eu comme il faut hein. Pas de pitié hein, à l'époque on y allait hein. Putain. Jimmy Hunter, Jimmy Hunter, le tir de Jimmy Hunter. Oh mon dieu, il a pris. Ok c'est quand même. Mon dieu, ne me dis pas qu'il faut que je joue avec lui parce que là je vais me branler dessus pendant des heures. Ok je rigole hein. Alors ce centième but, il vient ou pas hein, ah, le centième. Quoi, qui c'est d'attendre? À mon avis, tu vas l'attendre encore longtemps. Le centième but de Jimmy Hunter. Et c'est nous qu'on doit tirer, nique ta mère. And the corner's floated in. Oh, Jimmy Hunter. Le centième but, on l'a fait. Belle reprise, succès déverrouillé. C'est qui le papa ici? J'ai envie d'applaudir. Ralenti, regarde le mode de ralenti déjà à l'ancienne. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Putain la volée qu'on a pris, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui... On est déjà chaud, on est déjà chaud. Jim Hunter. Ok, bon bah ça fait plaisir, hein. J'espère que c'était tout ça. Ah ouais, quand même, il faut qu'on joue carrément avec les... Oh, qu'est-ce qui se passe, mec? Ah, on a toute l'équipe. Ah ouais, d'accord. Oh la vache, qu'est-ce qui se passe ici? Faut qu'on joue avec l'équipe ancienne de Jim Hunter. Putain. Oh la vache, je suis trop... Je sais pas. Je me sens comme un bébé. Oh putain. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Oh la vache. Plus, moi, ça fait longtemps que je joue plus à FIFA. Vous mettez ça les gars, c'est pas possible ça. Ah, Jim Hunter. Est-ce qu'il peut faire des dribbles moi? Est-ce qu'à l'époque il faisait des dribbles? Passe en profondeur pour Jimmy Hunter. Ouh là la roulette. Jimmy Hunter. Putain, c'est trop génial. C'est trop génial les gars. C'est trop génial. En plus le jeu il est lourd. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait vraiment à l'ancienne. On voit que c'est pas comme aujourd'hui. Les joueurs rapides, machin. Non, là, c'est en fait lourd. C'est fait vraiment... Oh, la faute, là, carayou. Ah, ouais, la faute, il y a à l'époque. Il y avait... Moi, ça. Centre. À la gogo. Oh, putain. Je suis trop, on va dire, à fond dedans dans ce truc. Oh! 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 Le tir! D'ailleurs, je comprends pas pourquoi c'est en anglais, hein. Le truc, je d'un coup. Tête le ponton, qu'est-ce qui se passe, mon rêve? Ne me dites pas que cette année, en corner, on peut marquer beaucoup plus facilement que l'année passée. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai foutu, le tir? Oh, la barre à nouveau, c'est quoi ce bordel? Là, c'est pas vrai, là, on touche que des barres. Pas possible, ce jeu. Il est que foutu en barre là ou quoi? Me revoilà les gars, j'ai dû fermer les rideaux parce que putain je vois rien du tout ici sur mon écran. Hein. Enfin, là au moins je vois quelque chose, bordel de merde. Oh putain. C'est trop fort. C'est trop... Je suis trop là. Oh la vache. Putain c'est... C'est vraiment le retour dans le passé quoi, c'est vraiment un truc de ouf quoi. C'est abusé. Attention. Je joue en difficulté pro, hein. Je tiens quand même à vous le dire, hein. C'est pas que je joue en difficulté de merde, hein. Difficulté pro, ça au moins vous êtes au courant, hein. Ça j'ai pas changé, hein. C'est pas que maintenant j'ai fait un truc plus facile, un truc du genre, non. Je joue vraiment en difficulté pro. Oh putain. Tac. Ça va passer. Tac. Oh le penalty. Oh le penalty. Merci bon Jésus. Penalty. Eh oui. À l'époque il y avait aussi des penalties. Ça va. Moi je suis rassuré qu'à l'époque il y avait des penalties. Eh oui, ça c'était penalty, hein, large. Jim Hunter nous tire le penalty. Attention.
Eh oui, c'est le but. On est là. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ce qu'on peut faire comme truc. Voilà, 2-1 les gars. Jim Hunter, il nous marque le deuxième but avec Lanchester. Parce que oui les gars, à l'époque, je vous rappelle quand même qu'on avait pris Lanchester l'année passée. Hein, donc on joue à l'équipe qu'on avait pris en fait. Parce que lui, je vous rappelle qu'il avait dit ah ouais, t'as pris l'équipe où moi j'ai tout commencé. Oh le poteau, mais c'est pas possible ce jeu. Je fais que des poteaux, fraîche. C'est quoi ça? Le centre. Putain, s'ils sont inventés, je m'aurais branlé dessus quoi. C'est pas vrai. Punaise. Commence bien, je fais que des poteaux. Magnifique. Ce jeu, il est magnifique. À faire des poteaux, c'est magnifique. Passe en profondeur en bas. Allez, on y va. Avance. Le centre. Il passe jamais. Ça va. Hop. Attention. Oula. Oula. Ah, en fait, l'autre avec le gris, c'est Walker. Ah ouais. C'est bien foutu en fait. Voilà. On a gagné 2-1 les amis. Tranquille. Jim Hunter a pris le ballon. C'est le fameux ballon certainement qu'on avait et qu'on a reçu de notre grand-père en cadeau. Je pense que ça doit être ça. Enfin, j'espère. En tous les cas. Ah ouais, regardez le match. Noël 2018. Incroyable santé. J'arrive pas à croire qu'il passait déjà du foot à la télé à l'âge de Pierre. Ouais, et tout était en noir et blanc pour de vrai à l'époque. Alors toi, il faut toujours que t'aies réponse à tout. Hein. Il a l'air sympa, ton frangin. En plus, bien c'est sûr, resté... à mon époque, on ne faisait pas tout le cirque que vous faites maintenant. C'est vrai. On jouait pour seulement 50 livres par semaine, si on gagnait. Arrête, c'est vrai? Ah, pour nous, tout ça, ce n'était que jouer à un jeu. Hé, hey, regarde ça. Ça ronronnait comme un chaton, hein? C'est pas si facile de cadrer un tir comme ça aussi bien. C'est vrai. On devrait peut-être y aller. Ça roule mal. En fait, le Hunter, il est resté comme on l'avait fait. Laisse-moi t'aider avec les valises. Oh, non, avec non, les tatouages et tout. Ne m'en fais pas, restez ici. C'est bien. Je m'occupe des valises. Tu veux le prendre? C'est bien foutu. Enfin, c'est bien fait que ça est resté. Je te l'ai donné. Ah ouais, on l'avait donné. Emprunte-le alors. Il te portera chance aussi. Mais rapporte-le-moi quand t'as fini avec. D'accord. Allez, okay. On a un avion à prendre. Si jamais je le rate, Butler va me faire la peau. J'arrive toujours pas à croire qu'il m'ait laissé du temps libre. Non, moi non plus, j'en reviens je pas. Je sais, complètement fou, pas vrai? La dernière fois que je suis allée à l'aéroport, on partait au Japon. De quoi? De quoi? Bah quoi, je suis anglais, c'est ma façon de parler, quoi. Vous aussi, vous avez des drôles d'expressions. Belle présentation, quand même, hein. Franchement, les gars. Belle présentation. You've been my Einstein, my Newton, my Galileo, and my Hawkins. Boy, but the pen. J'espère ne pas avoir de copyright là-dessus. Hein. Ça fait quand même pas mal. Hein. EA, s'il vous plaît, laissez-moi ma paix, merci. En fait, ils sont en train de montrer de comment est-ce qu'elle a fait l'album. En fait, on est en train de reculer en arrière. D'accord. Ouais. On est en train de reculer en arrière. Ok. The Journey Champions, les gars, cette année, l'aventure. Putain, j'ai des frissons. J'ai des frissons, il faut dire les choses comme c'est, j'ai des frissons partout, tu vois. Kim Hunter, entraînement d'élimination de Coupe du Monde de l'été 2018. Vous pour donner tout votre potentiel. Okay. Tout autant que vous êtes, les filles, c'est vous qu'on a envie d'emmener jusqu'en France. Ok, en Et France. Pour y arriver, vous allez devoir tout donner, chaque jour. Putain, j'ai des frissons, mes gars, c'est pas possible. Ok.
Donc j'imagine qu'on va jouer avec Alex Hunter. T'as des papillons dans le ventre, hein? Je déteste ça. Avec la sœur d'Hunter. Bon, la personnalité, je pense que vous la connaissez, hein. Pas besoin de... Voilà, de vous dire un télo, pertinente, neutre, donc pas la peine de... Voilà. Alors, des papillons, je veux juste montrer ce que je sais faire. Je suis nerveuse, il faut se remettre au boulot. Bah écoute, je suis nerveuse, hein. Moi, je réponds comme moi j'aurais répondu, hein. Je tiens quand même à vous le dire. Je suis même pas sûre de pouvoir taper dans un ballon, là. Écoute, t'inquiète, tout le monde ici est nerveux. Quoi, même toi? Et ouais. On s'échauffe un peu? Ouais. D'accord. Ah c'est cool, elle se fait quand même une copie. T'as fait un sacré match contre l'Allemagne. Ça va. Je sais qu'on n'a pas gagné. On n'a pas gagné. Mais t'as tout changé quand t'es rentré. Vous vous rappelez qu'on n'avait pas gagné contre l'Allemagne. Et c'est quand même moi la plus jeune. Ah c'est bien quand même. Putain. Tu sous-entends que je suis trop content. Non. T'es prête, Hunter? Plus prête que jamais, coach. Bien, alors montre-moi. Les filles, en rang derrière les cônes. On travaille les passes. On travaille les passes, carayou. Ne me dis pas que maintenant il faut qu'on travaille les passes vraiment, hein, parce que là... Ok. C'est la journée idéale pour une okay. petite séance. Qu'est-ce que vous en dites? Faut qu'on s'entraîne. Ok, on va débuter. Entraînement, pas de soucis les gars. Bon, les entraînements les gars, c'est comme l'année passée, hein, donc pas la peine de... Ah en fait, ok, ils nous disent où on doit passer, d'accord. Ok. Oups. Pardon. Pas concentré du tout là. Ah ouais, j'ai fait un truc sans le faire exprès. Bien fait. Ok, on a eu un, c'est bon. J'allais vous dire, alors les entraînements, les gars, cette année, je vais faire comme l'année passée. Hein, je vais pas toutes les vous les montrer, hein, franchement, parce que voilà, c'est seulement pour vous dire. Je vais vous montrer seulement celui-là pour que vous voyez de quoi est-ce que... Oh, pour Caputin, là, les tirs ici, les gars, les tirs. Oh, mon Dieu. Mais pas avec vous, parce que sinon... N'oubliez pas d'aller voir l'équipe médicale, si vous êtes... Voilà, donc je tiens quand même à vous le dire. Hein, je vais pas vous laisser tout le temps les entraînements. Ouh, là ça a l'air qu'on est avec Williams. En retard, Williams. Voilà. Oh, pardon. Bravo, hey. Williams. Tu sais ce qui est pire que d'arriver en retard à l'entraînement? Glisser sur un sol mouillé et devoir mettre un terme à sa saison. Michael, c'est vrai. Vous voyez, on est à Lanchester. D'ailleurs, je reviens d'une réunion avec Roger sur une possibilité d'investissement et... Tu sais, à propos de spéculation, d'accumulation et... On est à Lanchester parce qu'on avait pris Lanchester, je tiens quand même à vous le rappeler. Hein. Voilà. Eh ben moi aussi j'avais des réunions, à propos de mon client numéro 1. Ton unique client, tu veux dire. Ouais. Bah, t'as gardé le meilleur jusqu'à la fin en fait, c'est ça que t'as fait. Bon alors, c'est à quel sujet? Parce que je dois vraiment aller m'entraîner. Butler va me tuer si je suis en retard. Je sais que la saison passée a été dure, mais t'as vu ce que t'as fait? T'as gagné la League Cup. On avait gagné la Ligue, en fait, vous vous rappelez. Le club ne sait pas quoi faire avec toi. Quoi? Cette saison, c'est ma saison, je suis le Williams, il faut que je m'y mette. Bah, il faut que je m'y mette. Bon, alors, je pense qu'il est vraiment temps de mettre un bon coup de collier et de m'offrir quelques petites séances supplémentaires. Voilà, tu parles enfin comme un vrai pro. Ça commence dès la pré-saison, tu crois pas? Allez, fonce et va montrer à ce club que t'es indispensable. Et n'oublie pas, t'es mon client numéro 1. Je pense qu'à partir de là, je commence à réfléchir, tu vois. Je commence à me dire... Si ouais, c'était pas une faute de prendre Lanchester. Oh, les gars. Si c'était pas une faute de prendre Lanchester. Je vous dis tout, je vous dis rien. J'ai comme l'impression qu'on a fait une faute de prendre Lanchester l'année passée. Nouvelle journée, nouvel entraînement. Allez, on s'y met. Bon, les entraînements, je vais vous les couper, hein, parce que... Il va pas y avoir grand chose, je pense, à moins. On verra pour les comptes. Oula. On fera un virement. Direct sur ton compte. Fais-moi confiance. Tes gains vont doubler en un mois. Deux max. Ça va, mec? Alors, on est d'accord? Super. Super. Ouais. Oui, je viendrai avec tous les papiers à signer. Génial. Ok. Bye. 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 Bye.
Ok, qu'est-ce qu'il a, lui? Toi, mon pote, t'es le nouveau visage du restaurant Macmillan's Fish and Chips. Et en échange, du Fish and Chips à volonté dans 28 enseignes à travers l'Angleterre. Wow. Appelle-moi le parrain des affaires. Tu veux dire Macmillan's, ouais. Macmillan's Fish and Chips? Macmillan's, ouais. Là, okay. Où on mangeait presque tous les jours. Ouais. Macmillan's. Exactement. C'est trop génial. Eh oui, il te donne, ouais, le choix entre une publicité à la radio et une séance photo pour des affiches sur... Enfin, tu vois, genre, ouais. Tu préfères quoi? On va faire quoi maintenant pour les chip and chips là, je sais pas quoi, la radio ou les affiches? Moi, j'opterais pour les affiches. On a ce qu'il faut, on a les photos. C'est ce que je dis toujours. Fais flasher les appareils photos. William, calme-toi. Hey, Adidas, ce seront les prochains, je te jure. Fais-toi. Abuse pas, calme-toi. Des du match et le Williams deviendra une marque à succès. Ouais, on dit mais ça va être difficile, les gars. Hein. Avec Leicester City, hein, il faut réfléchir. Putain, je me dis ça maintenant, bordel de merde. Leicester City, c'est de la... Danny boy, the pipes are calling. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah tiens, c'est Roger le rocker, l'homme d'affaires extraordinaire. C'est Ringo, mec. Ah oui, pardon, autant pour moi. Personne ne t'a jamais appelé Ringo. Tu peux pas choisir ton surnom, ça marche pas comme ça. Arrête, c'est comme ça que tout le monde m'appelait à l'école. Quand? Ah, quand c'est son ami d'enfance. Ringo, tu t'en souviens quand même? T'as joué du triangle une fois dans l'orchestre à l'école et en plus tu jouais faux. Non. J'ai joué deux fois. Comment vont les affaires? Oh, ça a jamais été aussi bien, Michael. Ce vieux Roger, non, vient de c'est trouver Ringo. Mon tout nouveau sponsor. C'est Ringo. Macmillan's Fish and Chips. On allait y manger tout le temps quand on était gosse. Hein, Roger? Ouais, c'est vrai, Ringo. Tiens, en parlant d'affaires, je viens de caler une réunion pour la prolongation de ton contrat le jour du dernier match de préparation. Okay. Alors fais-toi remarquer en Extrême-Orient et on sera vraiment lancé. Et pas de pression, hein, mec? Ok. Ouais, pas de pression, ouais, tu dis. Ton avenir. Moi, j'ai peur, les gars. Je vous dis que sincèrement, j'ai peur avec Leicester City. Si j'ai le choix de changer, j'aurais pris Manchester United ou Chelsea. Mais pas Manchester City, pas Leicester. Je suis désolé. Hein. Bon, maintenant, j'imagine qu'on va tourner sur Alex Hunter, qu'on a joué à l'Atlético Madrid, je vous rappelle. Voilà, Atlético Madrid. Ce sera plus pareil ici sans Dino. Oh putain, Dino il est plus là. Non, pourquoi ils ont viré Dino? Avec Müller, vous l'avez vu, Müller juste à côté, vous vous rappelez qu'on avait... Dias, messieurs. Bien reposé, concentré, j'espère, parce que vous en aurez besoin aujourd'hui. Je sais pas si c'est bon ou pas, ça on verra au fur et à mesure. Bon, c'est fini. Merci, messieurs. Ok. Voilà, on a fait l'entraînement avec Alex Hunter aussi. Donc on a fait les entraînements avec les trois. Je pense qu'à partir d'un moment donné... Paraît qu'ils n'ont pas de hachis parmentier ici. Hein, okay. Tu sais, je les connais bien, ces super agents. Ils savent ouvrir les bonnes portes. Ça pourrait être une excellente opportunité pour toi, Alex. Ok. D'accord. Alex. Madame Villanova. Ah, c'est la fameuse que nous a appelée. C'est un plaisir, monsieur Hunter. Je vous rappelle que notre père est notre agent. Vous vous rappelez, on l'avait dégagé, on l'avait jeté dehors, Michael. Cette frappe du pied droit et cette tête en pleine surface, le gardien n'a pas compris ce qui lui arrivait. Je vois maintenant d'où Alex tient son talent. Alors, que pouvons-nous faire pour vous? Comme vous le savez, monsieur Hunter, il y a un temps dans la carrière d'un joueur où il transcende le sport pour lequel il excelle. Et il devient une marque. Souvenez-vous de CR7. Ouais, mais bon, je vais parler à la Juventus, hein, déjà pour commencer. Mon équipe et moi, nous pouvons offrir à votre fils une chance de franchir un cap. Avec de bons conseils et les bonnes opportunités, d'accord, Alex a tout le talent pour devenir une icône du football moderne. Quoi, on doit être le nouveau CR7. Je suis bluffé, je veux jouer au football. Je veux juste jouer au football. Je suis bluffé. J'ai l'impression d'halluciner. Je pense qu'on ne peut jamais être trop ambitieux. Avec ton talent et ton image de marque, tu pourrais penser de marque comme moi, Alex. Okay. Impressionnant discours. Ouais, mais il faut pas trop se monter la tête. Génial. Mais j'ai déjà un agent. Ah, ne fais pas l'imbécile, fiston.
On sait bien que j'étais seulement un bouche-trou après que Michael ait fait n'importe quoi. Béatrice représente tout ce dont tu as besoin. C'est vrai, d'un côté. Mais ouais. Soyons clairs, Alex. Ce que je te propose va impliquer de très nombreux sacrifices de ta part. Cela dit, si tu es prêt à travailler avec nous, tu n'imagines pas à quel point ta rétribution sera immense. Eh bien, donc, présenté comme ça. En gros, on nous présente un nouveau agent, quoi, c'est ça? Donc c'est notre nouveau agent. Bon, c'est vrai que son père, il a raison. Lui, c'était un bouche-trou, parce que... Ok, on vole. On va où? Tokyo. Porca putana, au Japon. Non! Putain, c'est en plus là où moi j'aimerais bien aller, bordel de merde. En plus, même le jeu, c'est fou de ma gueule. Oh, Tokyo. Non, il joue le jeu là, c'est pas vrai. Ok, alors je suis le roi des passements de jambes, Cristiano Ronaldo. Dans ses rêves peut-être. Facile, ouais. Alex Hunter. Ouais, c'est ça. Tu peux toujours rêver. Tu diras plus ça quand on t'aura battu à la Tokyo International Cup. Doucement, tu sais que ce trophée a déjà notre nom dessus. Mais ouais. On verra. Ah, lui aussi, il est là en plus. Il joue aussi la même coupe. Papa a dit que tu faisais le mur à la maison pour connaître l'équipe qualifiée. Eh bien, le plan fonctionnait, papa, jusqu'à ce que t'en parles. Ah mince. Alors. Ah ouais, de se qualifier pour la Coupe du Monde. Demi-finale. Ton grand frère est aussi pénible. Un recruteur ne s'arrête jamais. Disons que c'est quelqu'un, ça c'est. C'est pour ça que vous ne vous parlez plus. Oui, on peut dire ça. Ok. Bon, on ferait mieux d'y aller, ma puce. Il faut essayer de dormir. Mon horloge interne est déréglée. Oui. Vous devriez vous reposer aussi. Vous avez de gros matchs en perspective. Ouais. Mais c'est vrai, avec le jet lag, pas facile, hein, quand même. Hein. Lui de l'Espagne, aller en Tokyo. C'est parti. Continue, ok, commence. Okay, d'accord. Continue à jouer. Bon, quel bel truc derrière. Oui. Ok. Un sportif. Neymar. C'était Neymar. Oh, ils sont marrants. Ouais. Ok. Donc les trois trucs là, ok, ça a l'air pas mal les gars, je sais pas, on va continuer. La personnalisation, hein, bien sûr, les apparences des joueurs, ça il faut pas oublier, les chaussures, les machins, les chouettes, les tatouages, voilà, ils sont là. On peut bien sûr personnaliser notre personnage, mais ça je vais faire en dehors que je vous enregistre une vidéo, comme ça on va pas perdre du temps par rapport à ça. On a notre social, hein, que vous connaissez tous, où il y a les gens qui nous écrivent, qui écrivent des trucs par rapport au match, etc., etc. Donc je pense que... Ah, il y a le frère de Williams. Alors, tu vas fouler la pelouse à Tokyo, gros naze de Williams Footy. Tes coéquipiers ont chopé la tourista ou quoi? Si t'as plus... Ok. Ok, c'est son frère. Ok. Alors, on joue avec Williams, justement, contre America avec Lanchester. Ouais, ça casse un peu les couilles, hein, à un moment donné, hein. On contrôle et on incarne toujours le joueur qu'on joue. Je tiens quand même à vous le dire, ça a été toujours comme ça jusqu'à présent et ça va rester comme ça. Voilà, Danny Williams avec Lanchester City. Je pense qu'on a fait une énorme erreur de prendre Lanchester City. Je vous dis tout, je vous dis rien. On verra ce qui va se passer avec la suite. Parce que là, franchement, j'ai un peu peur, hein, par rapport à ça. Je vous dis tout, je vous dis rien. Ok. On bonjour, se joue ici donc à Osaka, cette avec coupe. Karines, qui est avec moi. On va j'espère qu'avec Danny hein, Williams, on aura quand même des beaux trucs à... j'espère que je me rattrape. Danny Williams qui prend toujours le ballon tout de suite. Attention qu'il va partir, Danny Williams qui perd tout de suite le ballon. C'est devenu déjà tout de suite chaud dès la première minute. Attention avec Danny Williams, ça va être à mon avis très 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 chaud. Voilà, passe-moi la balle quand tu veux, passe-moi la balle quand tu veux, on va passer là, voilà. Tac, on essaie de construire. Putain, je me sens bien avec Alan. Voilà, Danny Williams. Le tir de Danny Williams. Le premier tir déjà tout de suite. Dès le premier match. Là. Ouais, avec Danny Williams, les gars, j'espère que cette année, ça va se dérouler, on va dire, autrement. Que ça va se dérouler beaucoup mieux que l'année passée. Parce que avec Danny Williams, je sais pas, j'ai l'impression que Danny Williams, c'est quelqu'un de très spécial qui... Ouais, qui pourra peut-être... Ah, c'était au jeu. Je pense que Danny Williams, il pourra faire vraiment des énormes trucs cette année. Hein, et on va y travailler. On va essayer d'y travailler dessus pour voir... Mark Albrighton. Danny Williams. Adrien Silva.
Vas-y, passe en profondeur, On est dans une phase de conservation de balles, en attendant l'ouverture. Chier. Bien joué quand même. Oh la putain. Le débat reste ouvert, Pierre, sur les bienfaits de ces tournois de préparation à l'autre bout de la Terre. Il y a des entraîneurs qui réfléchissent à deux fois avant d'infliger parfois 20 heures d'avion à leur effectif et au staff. Hein. Ouais, mais bon, les pépettes, Hervé, les pépettes, et ça, les présidents, ils aiment ça. Hein. Ouais, oui, non, pas du tout. Ah, c'est difficile quand même, hein. C'est très difficile. Voilà, tournée en Asie du Sud-Est. Je t'ai vu. Vas-y, je te passe en bas. Repasse-moi ici. Non, je voulais pas tirer, c'était une feinte de tir. Eh merde. Ouais, avec Lanchester, les gars, ça va faire mal. Hein. Ouais, elle a mis beaucoup d'agressivité hein, dans cette intervention. Surtout que... Oh putain. On doit jouer le championnat avec eux. L'arbitre... il y aura certainement... vu que cette année, il y a cette nouveauté qu'on a la Champions League, on aura certainement la Champions League à jouer avec Lanchester City. Franchement, ça va pas le faire. Hein. Ah, ça va pas le faire du tout. À l'instant même, dans ce match d'ouverture. Putain, ça va être chaud, ça. Avec, c'est vrai, quand même un petit peu de nervosité de part et d'autre. Maintenant, faut voir ce que ça va donner. Daniel Williams. Le ballon change de temps. Ah, ça passe pas. Ouais, moi, je peux pas faire grand-chose, tu vois. Je suis contourné de 50 joueurs autour de moi. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Allez, dans le couloir. Ils sont entreversés par partenaire. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense, c'est... J'arrive pas à m'y mettre. J'arrive pas à... Putain, il court plus vite que nous, c'est pas vrai. La bonne interception. Adrien Silva. C'est construire les gars, c'est construire les gars. Encore un construire bon ballon. Les gars. Mais non, tu passes où, ça con. Il y a du chaos dans l'air là, c'était important. Elle vaut très cher Hervé cette interception parce que derrière. Non. Putain, j'ai même pas le temps de réfléchir. 2 minutes seulement. La vache. Donc on a décidé d'un changement du côté de Leicester. Ouais, il fallait changer quelque chose dans cette équipe. C'est chose faite maintenant. Ah bien voilà, le coup de sifflet final de ce match qui s'achève sur un résultat 0-0. Danny Williams et ses partenaires, non pas en finale, mais en petite finale. Oui, en même temps, c'est... C'est con, putain. Pas bien grave, hein. Ce sont pas les grands rendez-vous qui manqueront cette année. S'ils reprennent l'avion avec la sensation d'être prêt pour la nouvelle saison, ce sera déjà une première petite victoire. Il y aura donc ce match pour la troisième place. Ouais, on n'a pas réussi notre truc. Ouais, c'est difficile. Hein. Je vous ai dit qu'avec Leicester, les gars, cette année, ça va être difficile. Pourquoi j'ai pas pris Manchester United, putain de bordel. J'aurais dû prendre Manchester United. Fait chier. Bon bah bref les gars, voilà, ça se termine ainsi le premier épisode de l'aventure d'Alex Hunter. J'espère que cette vidéo vous a plu et que cette première aventure avec vous tous, ça vous plaît, que pour vous ça peut continuer comme ça. Et si vous avez quoi que ce soit, si vous avez des questions par rapport à, je sais pas, quoi que ce soit, dites-le-moi dans les commentaires. Avec ça, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Enfin, de retour dans l'aventure d'Alex Hunter. Ça fait vraiment très, très plaisir. Allez, avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa. Peace tout le monde.